imagine there's no heaven. Susie, if you try. Soyez les bienvenus pour cette deuxième exposition à Barré sur la bombe atomique. Je vous remercie d'honorer cette exposition de votre visite aujourd'hui. Après une première expérience l'an dernier, Kaori Sanuki est très heureuse de vous présenter l'exposition sur la bombe atomique une nouvelle fois cette année. La première exposition a été créée ici à Barré. Beaucoup de personnes au Cameroun ont pu voir cette exposition itinérante car elle a été présentée aussi à Ombessa ainsi qu'à Yaoundé où se trouve le siège de la JICA, l'association de volontaires japonais. Cette exposition n'a été possible que grâce aux nombreux Camerounais qui ont aidé à la réalisation de ce projet. Nous avons reçu des réactions variées de la part des visiteurs, mais la plupart d'entre elles correspondaient à notre message, comme un grand espoir de faire connaître ce que fut la misère de cette guerre, afin que ceci ne recommence jamais. Cette exposition revient là où elle a été créée, à la demande de ceux qui l'ont déjà vue et souhaitent la faire connaître autour d'eux. Nous remercions beaucoup toutes les personnes qui viennent. Faites connaître cette réalité à tous vos proches, s'il vous plaît. N'oubliez pas ce qui s'est passé. Sachez faire entendre votre propre voix pour qu'aucun drame de cette sorte ne revienne jamais. Le but de cette exposition n'a pas changé, c'est toujours la même volonté, dire et répéter ce que l'exposition disait l'an dernier. Voici en détail pourquoi cette exposition sur la bombe atomique a commencé ici. La volontaire japonaise Kaori Sanuki est née et a grandi dans la ville de Hiroshima, dans la préfecture de Hiroshima au Japon. Autant qu'elle sache, ses ancêtres étaient à Hiroshima depuis 150 ans. Hiroshima est à présent une grande ville. C'est la 11e ville du Japon. 7 fleuves traversent Hiroshima et se jettent dans la mer. On y trouve le bureau central de Mazda, la marque de voiture. Il y a aussi des équipes professionnelles de football et de baseball à Hiroshima. Les transports en commun sont assurés par des tramways. Le tramway, c'est une sorte de train qui circule dans les rues de la ville. Le climat est doux. En hiver, il est possible de manger des huîtres. C'est la spécialité d'Hiroshima, car la ville est en bordure de mer. La culture des mandarines est surtout réservée aux îles du sud de la préfecture. Il est aussi possible d'y faire du ski. Ce sport où l'on glisse sur la neige est accessible dans les montagnes du nord de la préfecture. Pourtant, un jour, Hiroshima a tout perdu. C'était il y a 65 ans, le 6 août 1945, à 8h15 du matin, la bombe atomique explosait sur Hiroshima. Quand Kaori Sanuki est arrivée au Cameroun, elle s'est étonnée du nombre de Camerounais qui connaissaient déjà Hiroshima. Elle a appris que la plupart des Camerounais ont connu Hiroshima, Nagasaki et la bombe atomique dans les cours d'histoire du premier cycle. Comme certaines personnes de son entourage ont aussi été les victimes de la bombe atomique, elle espère que la même tragédie ne se reproduira plus jamais et elle voudrait transmettre ce souhait aux Camerounais. C'est la raison pour laquelle elle a décidé de réaliser cette exposition.
Elle dit qu'on est triste et affligé quand quelqu'un de proche meurt. Si la guerre éclatait, si les gens devenaient soldats, votre famille, vos amis, des personnes que vous aimez seraient divisées en deux parties, l'ennemi et l'ami. Et s'entretueraient alors que la frontière a été faite arbitrairement par quelqu'un que vous ne connaissiez pas. Il n'y a rien de plus triste que cela. Pourquoi la guerre éclate-t-elle? Kaori pense que toute violence dans un intérêt égoïste est le début de la guerre. Elle dit aussi que l'homme devrait être un animal sage et digne, parce qu'il a pour lui la raison que les autres animaux n'ont pas. L'homme peut penser avec sa tête et communiquer ce qu'il pense avec sa langue. Il peut aussi comprendre ce qu'on lui dit. Kaori répète qu'on ne doit pas frapper les autres sous l'effet de la passion. Si on frappe quelqu'un, quelle qu'en soit la raison, c'est de la violence. Quand personne n'utilisera jamais plus la violence, dans aucun cas, la guerre, enfin, n'existera plus sur Terre. Si l'homme est l'animal qui peut penser, il peut penser à des bonnes et des mauvaises idées aussi. Alors le jugement de ce qui est bon et de ce qui est mauvais dépend de la personne. Pendant ses 2 ans d'activité en qualité de volontaire, Kaori a trouvé qu'il y a des différences dans les façons de penser entre le Cameroun et le Japon. Mais elle est persuadée que cela est naturel et bon. Elle aime cette différence et elle aime la vie au Cameroun. Quand on respecte bien les autres, la différence ne devient pas la cause de la querelle. Au contraire, on s'aime plus grâce à la différence. La guerre ne nous laisse rien que la tristesse. Des victimes disent « Nous ne haïssons pas la bombe atomique, mais nous déplorons la sottise de l'homme qui a fabriqué la bombe atomique. » Nous espérons que cette exposition vous donnera l'occasion d'apprendre ce qu'est la bombe atomique et permettra de réfléchir sur la guerre et sur la paix et rappellera à chacun de respecter les personnes proches et vous-même aussi. Pour réaliser cette exposition, beaucoup de gens au Japon nous ont aidés. Chaque personne qui nous a aidés a le même souhait que nous, pour éteindre toute guerre, ne plus vivre de conflits et ne jamais utiliser l'arme nucléaire. Kaori tient à vous transmettre leur désir aussi. De même, elle vous transmet aujourd'hui, pour cette 2e exposition, le désir du peuple camerounais qui se joint à cet espoir. S'il vous plaît, ne croyez pas que cette exposition vous montre seulement le passé. Transmettez à ceux qui vous entourent ce que vous y aurez trouvé, ce que vous aurez senti ici. C'est vous-même qui pouvez faire en sorte que le monde soit sans guerre, sans violence. Puissent vos enfants et leurs descendants ne plus jamais vivre l'expérience de la guerre. Je vous remercie de votre bonne compréhension. Ces mots de bienvenue sont de Kaori Sanuki, de l'AJICA, l'Agence japonaise de coopération internationale, pour Radio Barré Bakken, avril 2010.